Salut à tous et bienvenue dans l'interview Qui que quoi dans vous. Aujourd'hui j'accueille Marjolaine Vernesson, Daniel Carilla-Cohen, Karine Duvivier et un certain Carcam pour une interview croisée. Nous sommes à Barcelone avec ces quatre artistes pour présenter une exposition qui s'appelle Extractes d'Os. Chacun de ces artistes présente un extrait de son exposition solo. C'est l'interview. Qui ? Que ? Quoi ? Dans ? Où ? Qui es-tu ? Je m'appelle Carcam, je suis auteur-photographe, j'ai 48 ans, je vis à Paris. Je m'exprime aussi par l'écriture et parfois la sérigraphie. Je suis Daniel Carilla-Cohen, Dan Caco pour les réseaux sociaux, Décassé pour quelques intimes. Je suis double, cardiologue quelques dizaines d'heures par semaine et photographe tout le temps, qui s'expose depuis quelques années maintenant. Je suis Karine Duvivier, auteur-photographe. La photo m'a toujours habité, elle est devenue essentielle et primordiale. J'ai suivi l'école supérieure des métiers de l'art et de la culture dans un département photographie. J'ai réalisé un premier travail qui a fait l'objet d'une exposition en 2018 à Arles avec la galerie Rastol. Et en 2019 est paru mon premier ouvrage sur les fils du vent derrière. Un travail que j'ai mené pendant 3 ans auprès des Gitans. Je m'appelle Marjolaine Vernesson, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable à Paris et je m'exprime artistiquement depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé par la peinture et la sculpture et je me suis intéressée à la photographie il y a quelques années. Aujourd'hui, je travaille principalement avec du Polaroid et des photogrammes. Que présentes-tu ? Je présente aujourd'hui à Barcelone un extrait de ma série Hibernia Rebanens, ainsi que le livre où s'unissent dérives poétiques, photographie noir et blanc. C'est l'histoire d'un adulte qui va revivre ses émotions d'adolescent qu'il a vécu il y a presque 35 ans dans un voyage en Irlande. On va se balader à travers des paysages denses et oniriques. Et la dérive ne sera pas que poétique. Je présente un extrait de ma série Retrouver le souffle, qui a été exposée l'année dernière à Gary Rastol dans son intégralité. Il s'agit d'une série en noir et blanc, qui mélange des tirages issus de l'argentique, du numérique et du photo au smartphone, et qui décline une vision onirique de la nature, de ma nature, vue au carré pour la plupart des photos et dans un noir et blanc très contrasté. Je présente un travail que j'ai mené pendant 3 ans auprès des Gitans, au Sainte-Marie de la Mer. J'ai déambulé pendant 3 ans, je me suis laissée porter par mes émotions, par ce qui m'attirait, un détail, une situation, une personne, un regard. Et à chaque fois, tout ce à quoi je me suis attachée m'a donné des réponses aux questions que je pouvais me poser. J'essayais de comprendre, j'essayais de savoir, mais sans aucun jugement. Ce que j'ai adoré, c'est leur liberté, leur grande liberté. Je présente une série intitulée Dream City, réalisée au Polaroid. Le Polaroid, c'est ça. J'ai utilisé le négatif, qui est ici, une face invisible du Polaroid, pour montrer la ville de mes rêves comme une face cachée où la nature serait plus présente. Et à quoi tu pensais en faisant cette série ? J'ai pensé à chaque émotion très forte que j'ai ressentie quand j'étais adolescent. Un clic, une émotion. Ça pouvait aller des paysages très denses et noirs que j'avais dans mon esprit, jusqu'aux fêtes parfois alcoolisées et au calme de la nuit. Et bien en l'occurrence, à rien, ou à pas grand-chose. Cette série s'appelle Retrouver le souffle, car elle se situe après les expositions précédentes, qui étaient des expositions urbaines, de photos en couleur, de photos architecturales assez documentaires. Et là, au contraire, je souhaitais me plonger dans un univers qui permet justement de se vider l'esprit, un univers naturaliste, un univers enveloppant, un univers que j'essaye de rendre assez uniforme par le noir et blanc et par le contraste. Et donc ce rien est bien sûr un peu provocant, mais il veut toucher les sens et pas forcément l'esprit.
À rien. Je me suis laissée porter par mes émotions. En fait, j'avais un souvenir d'enfance. J'ai passé toute mon enfance au Sainte-Marie-de-la-Mer. J'ai eu besoin de retourner là-bas. Et j'ai eu besoin de rencontrer des gitans. Je pourrais pas l'expliquer pourquoi. Ils ont fait partie de mon enfance et j'avais envie d'en savoir un peu plus. Et puis, d'une manière générale, parce que je m'intéresse à l'autre. J'ai grandi à la campagne, dans un environnement où la nature est très présente. Et quand je suis arrivée sur Paris pour travailler, j'ai trouvé que la ville était très bétonnée. Du coup, avec cette série, j'ai voulu donner plus de présence de la nature dans la ville. Et j'ai également composé certaines images avec plusieurs Polaroids pour lui donner une dimension beaucoup plus grande, parce que la ville est grande, et aussi pour sortir du format carré original du Polaroid. Dans quoi sais-tu que le visiteur se projette ? Moi, j'aimerais bien que le visiteur se projette dans un monde qui n'existe pas, qui est entre le réel et l'irréel. Un petit peu comme ses souvenirs, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est faux. On ne sait pas à quelle époque ça a été tourné. Je voudrais qu'il se perde. Et dans l'idéal, j'aimerais que le visiteur se projette lui aussi dans un de ses souvenirs d'adolescence. Je souhaite que le visiteur s'allonge dans l'herbe, écoute le bruissement des feuilles, écoute l'eau qui coule dans la rivière d'à côté. Ce que je voudrais aussi, c'est que tel un enfant qui a visité la galerie lorsque j'étais exposé à Paris, s'approche de cette photo, la prête dans la main et souffle sur les fleurs de pissenlit. Voilà, je souhaite que le visiteur ressente tout cela avec moi et surtout ressorte avec une envie de nature. J'aimerais que vous puissiez déambuler à travers cette caravane de gitans et que vous aussi, vous puissiez vous arrêter un moment et prendre le temps de regarder, mais de regarder autrement. Dans un rêve, un monde imaginaire. Je n'ai pas la volonté de porter un message purement écologique avec ce travail, mais juste la vision de la ville telle que je l'imagine, avec la nature plus présente. Et enfin, où veux-tu nous emmener pour la suite ? Alors, c'est un peu trop tôt pour en parler, puis j'aimerais bien que Hibernia Remanens continue de vivre. Mais si je devais vous emmener quelque part, ce serait dans des mondes encore plus irréels. Mes projets futurs sont très, très variés. J'ai heureusement un galeriste, François Rastol, qui m'aide à choisir mes futurs travaux, parce que j'ai toujours des milliers de photos en réserve, et des projets qui n'en finissent pas. Donc on a tranché, et mon prochain projet sera cette fois-ci en couleur, avec un retour à l'urbain, en tout cas au partiellement urbain. Ça s'appelle Ville morte, et ça montrera le visage d'une ville balnéaire lorsqu'elle est totalement débarrassée de ses habitants et de ses visiteurs. Donc je vous invite bien sûr à venir la découvrir au mois de mai, Galerie Rastol. Je souhaite vous amener auprès d'autres communautés. Il y aura toujours un point de vue sur la religion et toujours ce leitmotiv concernant la liberté. À très vite. À Waterloo, pour une exposition du 6 au 22 mars, où j'ai été invitée par mon amie Mélanie Patrice avec cinq autres femmes photographes. On fait principalement tout de l'argentique et je vais présenter trois polaroïdes et un photogramme. Ensuite, je vous donne rendez-vous au mois d'avril à Clermont-Ferrand pour le festival Expolaroid, où je vais présenter les origines de cette série, qui sont donc les transferts des polaroïdes. Et c'est une exposition qui est principalement dédiée aux transferts. Merci à toi, Marjolaine. Merci beaucoup. Merci, Karen. Merci, Carlo. Merci à toi. Merci Daniel. Avec plaisir Carlo. Remets ça quand tu veux. Merci Carcam. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Et bien sûr, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ciao. Ouais, bon gueule. Juste devant, ils sont juste devant.